Bienvenue à la foire de Marseille. On a commencé avec 14 comédiens il y a 15 ans. Et maintenant, il y a 30 récurrents, ce qu'on appelle les comédiens qui reviennent régulièrement. Et avec les second rôles qui sont là, ça en fait 60. Et il y a 250 personnes qui travaillent sur Plus belle la vie tous les jours depuis une quinzaine d'années. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a toujours autant de public au rendez-vous pour poursuivre des aventures ordinaire et extraordinaire de Plus belle la vie, c'est ça qui fait son succès aussi. C'est un feuilleton qui parle du quotidien, de tout ce que les Français peuvent traverser, mais aussi le petit plus qui sont toutes les intrigues policières et les intrigues extraordinaires. Merci de vous intéresser à nos histoires, à nos comédiens. Et on espère que ça va durer très longtemps. Bonjour, donc je suis Dan Franck. C'est donc moi qui ai créé cette série Marseille, que vous avez peut-être déjà vu sur Netflix. Comment suis-je arrivé à Marseille? Je vous raconte cette histoire. Donc ils ont fait un casting de scénaristes et de producteurs. Et puis mon ami producteur et moi-même avons remporté leur concours. Moi je connaissais pas bien Marseille, je connaissais un petit peu parce que j'avais fait un livre avec Zidane il y a longtemps. J'ai promené mes guêtres pendant assez longtemps dans cette ville, qui m'a fasciné, je dois dire, parce que c'est une ville, enfin, vous le savez évidemment mieux que moi, qui a une personnalité absolument étonnante. Et quand on est scénariste ou écrivain, on ne va pas... On peut imaginer des histoires, mais quand vous imaginez une histoire à partir d'une ville ou dans une ville, vous devez essayer autant que faire se peut
de respecter cette personnalité extraordinaire donc de cette ville. J'ai eu quelques problèmes avec le metteur en scène. Vous savez que souvent, les rapports entre scénariste et metteur en scène sont assez compliqués parce que vous êtes, vous, à l'origine de ce travail qui va devenir un film, mais l'artiste, celui qui donne la patte au film et qui a en fait un pouvoir considérable, c'est le metteur en scène. C'est lui l'artiste du film. Voilà. Et donc, rapidement, on a découvert l'un et l'autre qu'on n'était absolument pas d'accord sur la manière dont lui travaillait par rapport à la source de base que constitue un scénario. J'ai donc après, un peu plus tard, écrit un livre qui s'appelle Scénario, qui raconte l'histoire de ce tournage, notamment le rapport avec les producteurs, qu'est-ce que c'est que le métier de scénariste. Et maintenant, je vais vous laisser regarder parce que finalement, vous êtes là pour regarder ce film.